nous ont fait un beau cadeau en nous mettant les couleurs de la France. Donc forcément, quand on est arrivé, on avait les yeux grands ouverts. Moi, j'ai pris une photo parce que c'est un moment marquant aussi de cette étape de la Coupe du Monde. Un bonheur unique parce que c'est une Coupe du Monde à domicile. On a la chance de pouvoir essayer de se qualifier pour les demi-finales. Donc pour moi, ça va être un moment très fort. Maintenant, j'espère qu'on va arriver jusqu'au bout parce que là, ça sera le summum de ma carrière. Bah, là, c'est ma chambre. Donc il y a les chaussures à côté qui essayent de tenir le drapeau. Et puis j'ai essayé de le bloquer avec des verres d'eau. Donc c'est le système D, mais ça tient pour le moment. Il y a le drapeau devant qui est sur le château et puis il y a le drapeau derrière, donc voilà, on est bien habillés. Là, on a notre vestiaire. Ils nous ont fait aussi la petite plaque avec notre nom. Donc voilà. Tu vois, la mienne, elle n'est pas encore installée. On va l'installer comme ça, vu que je ne suis pas encore venue. On a tout à peu près souvent la même place. Et moi, je suis tout le temps aussi dans un coin, dans un vestiaire. Donc voilà, ça c'est ma place pendant la semaine à Clairefontaine. Dans le coin, on voit un peu tout ce qui se passe dans le vestiaire et voilà, j'aime bien voir un peu la concentration de tout le monde, voir comment on est dans le vestiaire et je trouve que c'est bien de pouvoir avoir un œil sur tout ça et moi j'aime bien être dans un coin et observer tout ça. C'est comme dans mes buts, je vois tout le monde, alors moi dans le vestiaire, je vois tout le monde aussi. Ah, il y a le but. Là, il y a Pays-Bas-Japon et les Pays-Bas mènent 1-0. Donc, encore une équipe européenne qui sont en lice, qui sont susceptibles de se qualifier. Donc, voilà, on se rend compte que le dernier carré va être super important parce que si on veut faire les JO l'année prochaine, ça fait partie aussi de l'aventure. Donc, on se rend compte que le niveau européen il est très élevé. On parlait des couleurs de notre pays. Bah, même au niveau de l'intendant, bah, voilà, c'est couleurs bleues. Blanc et rouge, même ça nous suit même au niveau de l'intendant, donc voilà, c'est toujours un rappel qui est au quotidien. J'espère que le stade du Parc des Princes, il sera plein de bleu, blanc, rouge, parce qu'on a vraiment besoin de toute cette France, parce qu'on l'a vu contre le Brésil, c'était pas un match facile et les supporters nous ont bien aidés, vraiment, même quand on en reparle entre nous, on se rend compte que leur encouragement, ils nous ont poussés à aller jusqu'au bout. Ça a été vraiment extraordinaire de vivre ces moments forts avec vous, de partager ces moments. Pour nous, c'est vraiment important. Voilà, pour le match des USA, on a énormément besoin de vous. Ça va être un match difficile, mais on est capable de le faire. Donc, j'espère que vous allez être le 12e homme, la 12e femme pour nous aider à remporter ce match, parce que c'est vraiment important pour la suite du football, pour la suite de notre aventure. Et voilà, on a vraiment envie d'aller en finale. Je pense que vous aussi, vous avez envie. Donc, suivez-nous et encouragez-nous au maximum.